Comment elle est partie comme une balle, mon gars. Elle a pris un dodan, elle est partie en roue libre. Eh bien, salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour votre émission favorite. Nous sommes bien sûr les Mystery Box. On est avec Alex. Petite pause avec une transition de qualité pour vous parler du partenariat de cette vidéo. Aujourd'hui, c'est Goovy qui m'a envoyé un kit Ambilight pour télé de 55 à 65 pouces. Eh bien, écoutez, ma foi, j'ai testé ça et c'est assez bluffant. Vous connaissez déjà très certainement les fameuses télé Ambilight de chez Philips. Eh bien, aujourd'hui, avec ce kit Goovy, on va pouvoir reproduire cet effet Ambilight sur n'importe quelle télé. Comme vous pouvez le voir à l'image, je vous ai filmé mon salon et le résultat est plutôt bluffant. C'est vraiment bien fichu, ça marche avec un système de caméra que vous allez pouvoir caler soit au-dessus de la télé, soit sur le dessous de la télé. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai deux kits, donc deux caméras. Il y a d'un côté des barres lumineuses que j'ai posées sur les enceintes et derrière la télé, la bande LED. Vous pouvez tout commander par assistance vocale, la luminosité, les différents modes. Vous allez avoir un mode musique, un mode cinéma, un mode jeu et quelques autres modes à découvrir dans l'application Goovy. Vous allez pouvoir tout contrôler grâce à cette application. En fait, la caméra va être là pour observer tout ce qui se passe à l'écran et ainsi restituer les bonnes couleurs sur les bandes LED ou bien sur les barres lumineuses que vous voyez sur les côtés. Bien sûr, si un des produits vous intéresse, vous avez tout dans la description. On revient tout de suite en jeu, c'est parti. Salut Alex. Salut. Ça va tranquille? Je vais devoir vous demander d'arrêter vos constructions, franchement, le temps que je finisse de présenter toutes les mystery box que vous m'avez envoyées. Et honnêtement, je ne vais pas pouvoir toutes les présenter. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et je pensais pas que vous allez être autant à m'en faire, du coup. Ah ouais, quand même. Surtout, je compte sur vous. N'oubliez pas le petit like. Ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de partager la vidéo. Et n'oubliez pas aussi le petit lien G2A pour acheter vos jeux moins chers dans la description. Ouais. Ouh, t'es violent toi, Alex. T'es quelqu'un de violent dans la vie, toi. On va commencer tout de suite par celle de Galactor69. Galactor, je sais que ça fait un moment que tu me demandes de présenter ta mystery box. Et bah du coup, je vais vous te rendre honneur. On va commencer par toi. Yo, Jolat, je t'ai refait une mystery box plus petit et très fun. Dis-moi si le véhicule fait lag sur le lift. Pour moi, oui, lol. Bonne visite, ma chaîne Twitch, Galactor du 69 PS. Création faite par moi-même. Bah, j'espère bien, Galactor. Attention, on l'a construit, Alex. Putain, mon gars, quelle violence! Donc, on va essayer de faire un petit peu tout le monde. Hein. C'est-à-dire que si vous m'avez fait 10 mystery box, je vais bien sûr prioriser une mystery box de chaque. Vous m'avez compris, je pense. Je la pose! Elle est toute en ferraille. Un petit cochon qui louche un peu. Jolate sur le côté. C'est rose, c'est papant, c'est frais, c'est printanier, c'est tout ce qu'on aime. J2A, bien sûr. Galactor, très bon abonné. Écoute, Alex, c'est toi qui vas l'ouvrir. C'est toujours un moment fort. Attention, Alex, attention, Alex. C'est toujours un moment fort en émotion quand on ouvre une mystery box, tu vois. Donc, je te laisse appuyer. On sait jamais ce qu'on va découvrir derrière. C'est parti, Alex. Et ben... Regarde-moi ça, Alex, ce véhicule des enfers, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on va pouvoir monter à deux, Alex? Je ferme. Eh, déchire, mon gars. On dirait pas une voiture autotamponneuse? Tu peux me dire à quelle vitesse je vais propulser cette voiture à l'arrêt? T'entends le bruit? Ouais. Elle fait plus de bruit qu'elle avance, mon gars. Eh, Galactor, elle avance pas, ta machine. Franchement, elle est pas mal. On dirait soit une voiture autotamponneuse, soit une laveuse, tu sais, genre les laveuses qu'il y a dans les magasins. Avec des canons. Ça manque un petit peu de vitesse, Galactor. C'est dommage. Mais sinon, elle est bien, franchement. On passe tout de suite à une nouvelle mystery box de Neo 010 TNT. Ce plan n'a pas de description. Mais quelle mystérieuse mystery box! Oh putain, ça je sens, tu vois, ça c'est le genre de boîte. Je la pose, mon PC il fume de tous les côtés. Attention, Alex, prépare-toi. 3, 2, 1, je la pose! Wow, oh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Oh, ça lag, mon cochon, ça lag de ouf. Regarde comment le PC respire quand on la pose. Ouais, de ouf. Ah. Nono Fondation. Très bien, on va faire un petit peu le tour. SpaceX, en collaboration avec Elon Musk. Vas-y, Alex! Oh, c'est tout? D'accord, allez, salut. Merci, au revoir. Il doit forcément y avoir un truc. Oh, oh! Oh, oh! Oh!
Oh. Oh. Ah. Mais qu'est-ce que c'est que ça, mon gars? C'est magnifique, quoi. Oh. 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 Ah. Ah bah je comprends mieux pourquoi ça lag. Par contre, la partie elle va pas arrêter de laguer si les trucs ils sont dans les airs. What the fuck, Alex? Oh là là, énorme, énorme, énorme. Alors ça manque de finition. Mais bon, écoute, on va les enlever pour éviter les lags. Ah, on y voit plus clair là. Alex, je laisse me trouver. T'as regardé mon écran. T'as triché. Eh, franchement, Néo, ta boîte, il y a du très très lourd, mon gars. Moi je monte dans celui-là. Oh non, 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 non. Non, moi j'ai envie de prendre l'eau. Il y a plus de writer. Terrible, terrible, mon gars. C'est retour vers le futur, le truc. Oh, regarde ça, Alex. Oh là. Regarde ça. gros. Salut, Alex. Allez, salut. Tété, 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 tété. Tili, pili, pili, pipi, pili, pépé. Elle est énorme, ta box. Mais non, mon gars. Mais oh putain, hé. Hey, c'est la folie. Tu te calmes. Tu te calmes. Mais elle est incroyable. Putain, par contre, elle fait un bruit de tondeuse à gazon, mon gars. Néo, franchement. Tu cherches la merde? GG. Ouh, la prochaine, on a une mystery box de moquette. Bonjour, voici une magnifique mystery box qu'il faudra bien évidemment ouvrir avec soin et délicatesse. Moquette, tu me connais alors. À vous d'avoir le bonheur de savoir ce qu'il y a dedans. Alors attention, par contre, Alex, je vais l'ouvrir parce que Moquette, il a dit qu'il fallait l'ouvrir avec soin et délicatesse. Toi, t'es un peu brut, Alex, quand t'ouvres les mystery box. Moi, j'ai cette harmonie avec la nature, le toucher floral, le... enfin, tu vois. Faut l'ouvrir tout doucement avec soin et délicatesse. Oh là. Chut, pas trop de bruit, Alex. Soin et délicatesse, on a dit. C'est tout. Ok, allez, salut. Et franchement, elle est bien, sa petite box cochon et tout, j'aime bien. Ah oui, ah oui, 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 oui. La porte était coincée. Il doit y avoir un défaut de conception. On va la refaire. On la retente. Oh oui, cochon, tu vois, petit défaut de conception. Si t'enlèves la ligne juste ici... Hop là, ah bah, même pas mon vieux, un bloc. Oh, le bruit, j'adore. Elle est terrible. Oh, mais il est insane. Et il est énorme, hein. Ah bah ouais, c'est clair. Vos scrappers ont du talent. Nos scrappers ont du talent. Eh bien, Moquette, franchement, nos scrappers ont du talent. Elle est vraiment magnifique, ta box. J'adore. Ouh, la prochaine, c'est Jason Day qui nous l'a construit. Salut, Jonathan, il y a longtemps, je t'avais fait une mystery box avec comme vieux pseudo Kevin83136. Comme tu peux le voir, je l'ai changé. Depuis la dernière fois, il s'est passé des choses. J'ai eu mon brevet, je suis entré au lycée et maintenant, je passe mon bac. Mais ce qui n'a pas changé, c'est que je regarde toujours tes vidéos. Et ça, franchement... Ça me va droit au cœur, Jason. Vu que je t'ai vu reprendre les ouvertures de Mystery Box, je me suis dit qu'il fallait saisir l'occasion pour t'en faire une. Au passage, si t'as bonne mémoire, les personnages dans l'ancienne Mystery Box que j'avais fait étaient ton skin et celui de cochon sur Roblox. Je te laisse découvrir cette Mystery Box. Des bisous. Cherche Jason Day sur Google. Ok, Jason Day. Ouais, ouais. T'as vu, je t'ai trouvé direct, mon gars. J'ai tapé Jason Day, c'était toi. Alors, le premier résultat de recherche. On l'a construit, c'est parti. Eh, ça me fait penser, tu sais, un peu comme un Rubik's Cube. Ouais, ouais, j'ai pensé à la même chose. Elle est jolie, très simple, très soft, très sobre. On aime la sobriété, on aime la simplicité. Mais peut-être qu'à l'intérieur, c'est quelque chose de complexe. Vas-y, Alex. D'accord. Oh. Oh, oh. Non, et voilà un truc qui va faire laguer la map. Non. Propre. Tiens, on va le refaire voler. Voilà, au pire, si on le croise, on fera un vœu et puis c'est tout. Hein. Ouais, allez, envole-toi, Jason. Voilà. Ouh, mais quelle mystery box bien mystérieuse de la part de TowXY62. Voici donc ma deuxième box qui contient un véhicule monoroue que je l'espère tu apprécieras. Pour le découvrir, ouvre la boîte, enlève les blocs jaunes et enfin découvre le véhicule. PS, j'ai tout fait moi-même et ça m'a pris 2 heures. Jola, t'es le meilleur. Merci beaucoup, TowXY62. T'as pris 2 heures, Alex. 2 heures. Ouais. Hein? Et nous, ça va nous prendre 2 minutes pour l'ouvrir. 2 secondes. Attention. Attention. On l'ouvre. Elle est magnifique. Eh ben... Attention, Alex, je sors. Oh. What the... Ok, c'est rien. C'est... Vous inquiétez pas, ça va aller. Ah. Alex, donne-moi un coup de main. Ramasse la boîte, s'il te plaît. Je contrôle plus rien. Je ne contrôle plus rien, Alex. Je ne suis plus maître de mes mouvements. Oh, le cochon. Oh, le cochon. Oh. Comment ça se vole? Elle vole. On se rejoint plus tard. Putain, mon gars. Regarde ça, comment...
décolle, oh, gros. Elle est magnifique. La prochaine de Loul. Coucou Jolotte, la dernière fois ma mystery box n'a pas fonctionné. Je t'avais promis que c'était la plus énorme du monde. C'est vrai. J'en ai refait une, mais du coup, elle est plus aussi fat. Par contre, il faudrait la laisser faire sa vie après son ouverture. Tu n'auras plus qu'à attendre un peu. J'ai prévu sur le véhicule un siège bébé pour cochon. La peinture était longue à faire et j'ai beaucoup souffert comme si je mangeais des braises, donc profite bien. Coucou aux abonnés et constatez mon excès de skill. Ok, Loul. Oh putain, attends, apparemment faut laisser faire sa vie. Oh déjà, regarde ce qu'il y a marqué en dessous, cochon. Il y a marqué chais. Attention, je la pose, Alex. Ça lag pas déjà. J'aime ça quand ça lag pas. On a un interrupteur ici, je laisse le soin d'appuyer dessus, attention. Je m'écarte, vas-y Alex. D'accord, faut la laisser faire sa vie. Chais. Putain. Voilà. Écoute, on aura ça jusqu'à la fin de la vidéo. Chais. Ok. Mais attends, il y a quelque chose qui va tomber, je suppose. Peut-être. Ouais. Ouais, ouais, il y avait une trappe en dessous ou quelque chose. Gros, ça se trouve, il y a une bombe atomique qui va atterrir. Il va faire crasher la map, l'enfoiré. Ah, il y a quelque chose qui arrive. Oh, il y a quelque chose qui arrive. Ouais, ouais. Il y a un truc qui arrive, les mecs. Ouais. Il descend. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça tourne. Je crois que c'est le véhicule qui est en train de tomber. Oh, ah gros, oui. Oh, prank. Attention, Alex. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, on va la poser là. Colis stratégique à l'approche. Attention, Alex, j'ouvre. Il y a qui prend. Oh, ouais, ouais, j'ai vu. Alors apparemment, il y aura un petit siège bébé pour toi. Ouais, en haut. Ouais, t'as un petit siège bébé. Oh, ce cochon. Oh là là, elle est énorme. Énorme, mon gars. Alors, regarde ça, il y a même des canons et tout, Alex. C'est bizarre quand même. Eh, gros, on a envoyé 38 grand-mères, j'en vois pas une. De ah, je vois toujours la boîte. Chais. Ça se trouve, il y en a, elles sont bloquées dans les arbres, ou il y en a, elles ont raterri, tu vois. Une nouvelle box d'Arapema 27. Bonjour, je l'ai, voici mon Panzer. Je ne mets pas de box car j'ai la flemme. On prendra vite. Je te mets les commandes. Poste de radio à alarme, 2 allumer la radio, poste de chargement du canon, à ouverture du canon, translation du bras des chargeurs, pivote le passage à obus, caresse à couverture, fermeture de casier à obus, translation du bras principal. Descendre de la passe au but, rattraper l'obus, poste mitrailleur, faire coulisser la trappe, verrouillage de la trappe, sortie du poste mitrailleur. Bon. Je vais voir ça sur le tas, Apparema. Oh là là. Ça lag. Je comprends mieux pourquoi il voulait pas mettre une box autour. Oui, oui, je comprends mieux aussi. Tiens. Ah, il y a mon cochon. Là, par contre, c'est... C'est pas jouable, quoi. Malheureusement, c'est injouable. Tu vois, on est juste sur un joli diaporama d'une boîte en ferraille. Oh là là, c'est juste... je peux pas, c'est injouable. Même la box AGS, elle laguait moins que ça. Et il y avait plus de choses. Là, c'est... Ouais. T'as dû faire trop de connectiques ou trop de... Je la pose. Oh là là, le jeu, il a craché. Ah ouais. Ah ouais, ce qui fait laguer, c'est toutes les roues que t'as mis, en fait. Ah bah ouais, mon gars. Ah bah oui. Mon PC, il est pas capable de faire tourner ça, tu vois. Voilà, j'ai pas encore la Synth RTX. Inch'Allah, Nvidia, si vous passez par là... Salut à vous. Écoute, Arapema, t'as eu la flemme de faire la box et je comprends totalement. Mais honnêtement, j'ai la flemme de la présenter. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas jouer à une image toutes les 3 secondes. C'est pas possible. Ça va être la misère. Salut mon pote. Ah, voilà, on arrive sur une box un peu plus chatoyante de Goplex. Salut Jolotte, je suis Goplex. Je t'ai fait une mystery box étrange. Découvre-la en vidéo, s'il te plaît. Enlève les blocs jaunes et noirs à l'arrière du véhicule. Désolé pour les fautes. Et aussi, tu fais des super vidéos. T'es mon youtubeur préféré. Merci beaucoup, Goplex. Ça me fait super plaisir. Attention, c'est parti, on la construit. Je la pose, Alex. Non, ah, non. Impeccable. Ça va, c'est bon. On fait le tour un petit peu. J'ai deux actes, petit logo YouTube. C'est beau, c'est frais, c'est mignon. Petit point d'interrogation, très doré. Attention, Alex. Allez. Je l'ouvre. Oh putain. Oh la vache. Oh, oh la vache. Oh, c'est très stylé l'ouverture. Hein. Très, 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 très stylé. Hein. Oh putain, bien. Il était déjà là le siège? Ouais. Ouais. J'ai un interrupteur. Alors, je sais pas ce que je peux faire avec. Un, c'est quoi? C'est la radio. Deux, c'est les canons. Trois. Oh, 3 déploiements des canons. Oh, elle est stylée. 4, c'est les phares. Vas-y, Alex, je te laisse appuyer. Ok, toi, t'as le klaxon. Eh, dis donc, c'est bizarre quand même. Il n'y a pas une grand-mère, mon gars. De ouf. Où est-ce qu'ils sont passés? J'espère qu'il est amphibie, ton véhicule. pas trop. J'arrive, Alex. J'y suis. Elle est là-bas, elle est en train de se noyer. Putain, mon gars. Il est énorme. Ah oui, tu guides, oui, tu guides, mais... Voilà. Oui, vas-y, refais-la décoller, Alex. Ouais, magnifique. Goplex, magnifique ta mystery box. Vraiment. Ouh, Melp. Pas de description. Très intriguant. Attention, Alex, ça va peut-être laguer.
Non, ça va. Bien mystérieuse, très étrange. Alex, je te laisse l'ouvrir. Je te laisse l'honneur de l'ouvrir. Vas-y, Alex. Wow. Il y a un autre bouton. Mais c'est une... Ouais, c'est une boîte de nuit. Ouais. Oh là là. Oh. Ah ouais. Oh, mais c'est terrible. Wow. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un autre bouton. Ouais, ici, là. Ah ouais. Vas-y, appuie. Ah, coupe tout, Alex. Se calme, ouais. Oh là là. Eh, franchement, il est maniable de ouf, hein. Elle a limite un bruit creepy, tu sais. Ouais. Comme dans un film d'horreur ou quoi. Tiens, il y en a une qui est bloquée là-bas. Il y en a une qui est bloquée là-bas. Il y en a une qui est en train de se noyer. Il y en a deux qui sont en train de se noyer. Trois. Il y a beaucoup de naufragés là, Alex. Hein. Oui, oui, les grands-mères abandonnées. Laissez-les nager jusqu'au bout de la nuit. Non, il va pas dans l'eau, malheureusement. Mais tu m'aurais dit ça plus tôt, Melvin. En fait, ok, d'accord, c'est qu'il a fait plusieurs boîtes. Donc quand même, priorité à ceux qui sont pas passés. Je vous l'ai dit, si vous m'avez fait 10 boîtes, 15 boîtes, je vais privilégier les personnes qui ne sont pas encore passées. Comme par exemple, Stjolfax. Salut Jolotte, voici ma mystery box. Dans celle-ci, il y a une surprise qui désolidarise en enlevant les blocs jaunes et noirs. L'objet est amphibie et les boutons 2 et 3 permettent de tourner dans l'eau. Et ça tombe bien, on est juste à côté de l'eau. Mais c'est magnifique. Attention, je la pose, Alex. Ça lag pas. Pas de lag. Un bouton. J'appuie, Alex. Oh. Quelle ouverture très originale. Magnifique, magnifique. Oh, regarde, Alex. Tu peux monter dans la tourelle. Alors, attends, vas-y, on va dans l'eau. Attention, Alex, retiens ta respiration, on va sous l'eau. Ah non, mon gars, ça flotte. Putain, il est stylé, le véhicule. Attention, tu vas partir avec. T'es parti avec. Je te l'avais dit, bah oui. Regarde, il y en a une à sauver, là-bas. Oh là là, mais en fait, toutes les grands-mères, elles sont noyées, mon gars. Il y en a trop qui sont dans l'eau, là. Bah, t'en as partout, en fait. Il y en a à gauche, à droite... Là-bas, il y en a derrière nous, il y en a partout, gros. Et pourquoi ils se sont arrêtés comme ça? Je me disais aussi, c'est bizarre, on voit rien, quoi. Mais c'est énorme. GG, elle est vraiment excellente. Celle-là, c'est Bobo qui nous l'a fait. Shorty Marion. Salut, Jolotte. J'espère que tu vas bien. J'ai créé une petite mystery box pour toi avec une petite touche de rose à l'extérieur. En espérant qu'elle te fera plaisir. Voici les modes à avoir. Ah, bah ça, on va le savoir tout de suite. Ma chaîne YouTube, Browser. Ok, d'accord. Et bah, tu vois, j'ai déjà les modes. Elle Mystery Box. Elle est très, très fraîche, ta box, franchement. Je l'ouvre. Magnifique. Ça, alors. Elle déchire, franchement. On dirait pas le camion de l'agence touriste. 3. C'est pour fermer derrière. 4. Ah, ok, d'accord. C'est les phares. 5. Klaxon, 6, réacteur. Mais est-ce qu'elle est amphibie? En voilà une bonne question, Alex. Hein. Attention, c'est parti. On coule, hein. On coule, hein. On coule. Pas très, très amphibie. Et bah franchement, Bobo, magnifique ta map. Bobo, super pseudo, j'adore. Bon, écoutez les mecs, on va s'arrêter ici pour cette vidéo sur Scrap Mécanique, vos Mystery Box. Bien entendu, il y aura d'autres épisodes. Comme je vous l'ai dit, si vous avez des constructions, pour le moment, laissez-les en stand-by. Parce que vous avez été vraiment très très nombreux à participer. Et j'ai bien peur de ne pas pouvoir toutes les présenter malheureusement. Il y en a vraiment beaucoup. Donc je fais le maximum. Bien entendu, il y aura d'autres épisodes. Tout ça, c'est selon vous. C'est si ça vous intéresse ou pas. Si c'est le cas, vous me faites péter les likes. Si je vois qu'il y a beaucoup de likes, beaucoup de partages sur la vidéo, il y aura bien entendu d'autres épisodes. En attendant, nous on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Ciao tout le monde. Salut Alex. Salut, à bientôt. Fais ton sport là. Les tractions, regarde. Ouais, sympa. Ok.